Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter le nouveau coffre cosmique de Fortnite saison 7. Alors il faut savoir que ce coffre est extrêmement rare. Et quand vous allez tomber dessus, vous allez devoir faire quelque chose de spécial pour pouvoir l'ouvrir. Alors apparemment déjà, il n'apparaît que en mode section ou trio, voire peut-être en duo. Mais apparemment en solo, il n'apparaît pas. Donc si jamais vous l'avez eu en duo ou en solo, n'hésitez pas à le dire en commentaire, comme ça, ça informe la communauté. Alors ensuite, quand vous tombez sur ce coffre, il est entouré d'une sorte de cristal. Et en fait, vous allez devoir taper sur chacun des côtés de ce cristal pour casser le cristal et pouvoir récupérer le contenu du coffre qui est à l'intérieur. Alors cependant, ce n'est pas aussi simple que ça, parce qu'en fait, le joueur 1 va devoir taper un coup de pioche, ensuite le joueur 2 va devoir taper un coup de pioche, puis le joueur 3, puis le joueur 4. C'est chacun son tour. À chaque fois que quelqu'un va taper sur un côté du cristal, il y aura une cible qui s'affichera. Donc le deuxième joueur verra une cible, il devra taper sur cette cible. Et ensuite le troisième joueur verra sa cible à lui, il tapera sur la cible. Ensuite le quatrième, puis après ça retombe au premier, etc. etc. jusqu'à temps que vous cassez le cristal. Quand vous aurez cassé le cristal, vous gagnerez des XP, vous gagnerez du matos, donc des munitions, des armes. Et vous gagnerez même des reliques extraterrestres. Donc c'est la deuxième façon d'obtenir des reliques extraterrestres. Quand vous avez récupéré les 5 emplacements des reliques extraterrestres sur la map, il n'y en a plus. Donc là c'est la deuxième façon pour pouvoir récupérer des reliques extraterrestres. Donc au final ça a l'air d'être compliqué d'avoir des reliques extraterrestres. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulo Mike et ciao. Peace. Yummy, bruh. Yummy, bruh. Yummy, bruh. Yummy, bruh.